C'est une immense marque de mode qui a révolutionné l'image de la femme, lui donnant des allures de conquérante, parfois futuriste et ultra sexy. Après de multiples collections et des défilés spectaculaires, la marque fête cette année ses 50 ans d'existence. Aujourd'hui, on vous raconte la mode story de Mugler. La marque Thierry Mugler voit le jour en 1974. Elle porte le nom de son créateur, né en 1945 à Strasbourg. Avant d'être couturier, Thierry Mugler est danseur, mais à force de fabriquer lui-même ses costumes, il décide de fonder une ligne de vêtements. Son style est rapidement défini, ses créations sont structurées avec très souvent des épaules larges, très larges, et une taille cintrée. Avec ses vêtements, Thierry Mugler met en avant sa vision de la femme, conquérante, ultra sexy et parfois provocatrice. On retiendra par exemple le mythique tailleur pneu, cette robe décolletée aux fesses, les tenues de sexy robot ou encore cette spectaculaire robe chimère à écailles portée par Adriana Carambeu pour le défilé haute couture automne-hiver 1997-1998. C'est d'ailleurs une autre caractéristique de Thierry Mugler, les défilés ont toujours été pensés comme des vrais shows. Le défilé de mode, la façon dont je l'ai fait, c'est un spectacle de mode. Si Thierry Mugler s'est fait connaître avec ses pièces extravagantes pour femmes, il a aussi imaginé des créations destinées aux hommes. Et comme pour les femmes, on y retrouve des vêtements structurés, avec une carrure exacerbée. Il a aussi vendu des vestes au col Mao, dont un exemplaire avait été porté par Jacques Lang en 1985 à l'Assemblée nationale. À l'époque, la cravate était de rigueur, et cette veste avait créé un énorme scandale. En 1992, Thierry Mugler sort un parfum baptisé Angel, à une époque où peu de créateurs se sont mis à la parfumerie. Depuis, le parfum connaît un immense succès et son flacon est devenu légendaire. En 2003, Thierry Mugler annonce son départ de la marque. Le couturier souhaite alors se consacrer à l'univers du spectacle et à la confection de looks de scène. Plusieurs directeurs artistiques se succéderont avant l'arrivée de l'américain Casey Cadwalader en 2017, toujours à la tête de Mugler aujourd'hui. Le couturier va mettre en avant l'héritage de Thierry Mugler tout en le modernisant. En 2019, Kim Kardashian porte cette robe Mugler iconique au Met Gala. Thierry Mugler décède le 23 janvier 2022, laissant derrière lui un héritage mode intact.